Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter ce que j'ai reçu dans ma BoxyCharm du mois de novembre. Si tu ne connais pas la boîte BoxyCharm, comme ceci, c'est une boîte de cosmétiques qui fonctionne par abonnement mensuel et qui coûte environ 21 $ américains et aussi pour le transport et les frais de manutention, c'est environ 8 $. Donc, sans plus tarder, je te présente qu'est-ce que moi j'ai reçu dans ma boîte de novembre 2018. Donc, à chaque mois, BoxyCharm a une thématique. Et ce mois-ci, la thématique, elle s'appelle Gold Digger. Je te montre ça tout de suite. Donc, tu vois qu'il y a toujours des Boxy Babe, comme ceci. Et tu vas recevoir la description des produits que tu as reçus dans ta boîte et les prix. Donc, moi, j'ai reçu, comme tu peux voir ici, la variante numéro 3. Donc, de la compagnie Luxy, comme ça ici, j'ai reçu 4 petites brosses à maquillage. Qui sont toutes scintillantes. Je te montre ça tout de suite. Waouh, regarde ça ici, comment c'est joli. C'est très joli, c'est tout en petit bling-bling. Donc, ces petits pinceaux-là, on dit que ça a une valeur de combien? 21 $. Donc, c'est le kit qui s'appelle le Luminous Eyesight de la compagnie Luxy. Luminous Eyesight. Donc, 21 $. C'est pas si mal parce que tu as 4 brosses ou 4 pinceaux pour les yeux comme ici. Fait que c'est vraiment des pinceaux qui sont faits pour le contour des yeux. Comme ceci. Donc, voilà. Je te montre sur tout. Et voilà les 4 petites pinceaux bling bling de la compagnie Luxy. Nice! On aime toujours ça, des beaux pinceaux à maquillage. Par la suite, j'ai reçu de la compagnie Lashaholic de superbes fossiles comme ceci. Donc, on nous dit d'être prêt à devenir addict aux fossiles. Ces fossiles-là, ils se vendent 14 $ et puis ils vont te donner beaucoup de longueur. Ils sont véganes et ils sont faits de fibres de soie. Donc voici pour les fossiles de la compagnie Lashaholic, comme ceci. Par la suite, on a reçu de la compagnie CoverFX un superbe glitter drop, donc des gouttes scintillantes de couleur dorée, bien sûr. Je te montre ça tout de suite. Donc, ces petites gouttes-là, elles se détaillent. Elles s'appellent les glitter drop de la couleur Nova. C'est la couleur que j'ai reçue. Donc, Nova qui est un super beau doré. On dit que c'est un concentré de petite facette glitter brillante qui a vraiment un gros impact et qui donne une brillance incroyable. Donc, tu peux le mélanger à ton fond de teint et ou tu peux l'appliquer directement sur ton cou, sur tes yeux, dans ton front, ou peu importe où ce que tu as le goût d'en mettre. Ça se vend 44 $. Donc, regardons ça. Wow, ces petites gouttes-là, qu'est-ce que ça dit? Donc, je te montre ça tout de suite. On va en mettre juste un petit peu parce que je les connais, ces petites gouttes. Elles sont très, 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 très brillantes. Oh, my dear Lord. Oh, que c'est joli. Regarde ça, toi. Oh, mon Dieu. Je t'approche, c'est pas que tu puisses voir ça comme faut. Regarde ça, comment c'est joli, ça. Je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais m'en mettre un petit peu ici, voilà. Et puis là, regarde ça. Oh, que c'est joli. Faut en mettre beaucoup, hein, quand même. Wow, c'est super. Un superbe glow. Donc voilà pour les gouttes de la compagnie CoverFX, les Glitter Drops ou gouttes
scintillante dans la couleur Nova. Donc, 40$, c'est une super valeur. Je suis super contente. Par la suite, j'ai reçu de la compagnie John T. Blue un cône. Et ce cône-là, il est supposé d'avoir du brillant. Donc, on va regarder ça. Et si tu remarques, il y a beaucoup de petits brillants dans le cône. Mais c'est vraiment mignon, ça. Waouh! C'est rare qu'on ait ça, une espèce de cône, une espèce de crayon comme ça, un souvenir qui a autant de brillants à l'intérieur. Waouh! J'ai bien hâte d'essayer ça. Puis, ça, c'est un crayon qui s'appelle le Glittering Star Eyeliner. Donc, tu l'appliques et puis c'est plein de petits brillants dans ton cône noir. Et puis, ça dit que c'est le parfait glitter eyeliner, crayon eyeliner qui va s'appliquer vraiment de façon très smooth, très soyeux et puis qui va donner vraiment un effet de longue durée. Oui. C'est vraiment très soyeux, je peux le dire. C'est vraiment un peu un effet crème, ça glisse. Et puis ça se vend 5$. Donc, je pense que c'est la première fois que je peux dire que j'ai un crayon à 5$ qui me fait autant d'effet que cela. Donc, si tu regardes ça. Donc, si on regarde ça, encore une fois, voici le glitter de John T. Blue. Waouh! C'est une des premières fois que j'ai un crayon qui est aussi cool que ça au niveau de la brillance. Donc voilà pour ce crayon. Par la suite, et bien sûr, comme à l'habitude, BoxyCharm Nougat, on a reçu une superbe palette. Elle s'appelle la palette Ace Beauty. Et cette palette-là s'appelle la Grandiose Palette. Donc, on regarde les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Ouf, que c'est joli. J'espère que tu vois bien. Wow. Le packaging est superbe. Donc, il n'y a pas de petit miroir, mais regarde-moi les belles couleurs qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a 4 shimmers. On a un shimmer ici, on en a un autre ici, et 2 autres ici et ici. Donc voilà, on a un total de 8 différentes couleurs, et puis ce sont des couleurs qui portent des noms de fleurs. Donc ici, jasmine, patchouli, rose, clove, myrtille et d'autres couleurs comme primrose. Wow! Regardons donc ceci. Qu'est-ce que ça dit, ça? Wow! C'est superbe. C'est très joli comme couleur. Ooh. On va se faire un petit swatch. Prenons cette couleur ici. Et faisons-nous un swatch. Oh my god, c'est-tu pas beautiful, ça? Et c'est très crémeux. Wow, attends une minute, on en essaye d'autres. Je vais prendre ce beau doré ici. Et je vais faire un swatch ici. Comme ceci. Donc voilà. Écoute, c'est génial. Même que ça se mélange super bien avec les autres couleurs, c'est très crémeux, c'est très beau. Donc voilà, j'ai fait un mess. Et cette palette-là, ça se vend combien? Ça se vend 25$. Donc la belle palette de Ace Beauty, comme ceci, avec 8 belles ombres à paupières. Et voilà ce qui termine la boîte BoxyCharm de novembre 2018. Donc, si tu as aimé ça, ou si tu aimes les produits, les bling-bling, le crayon, les fossiles, les petits pinceaux à maquillage, etc., eh bien, encore une fois, la boîte se vend 21$, plus les frais de manutention de 7 à 8$. Si tu veux t'abonner,
j'ai un lien en dessous. Dis-moi ce que toi, tu as reçu dans ta boîte, quelle variation. Moi, j'ai reçu le numéro 3. Donc, si tu as reçu ta boîte de novembre, partage avec moi tes photos, ton look, ce que tu avais dans ta boîte. Et puis, en attendant, je te donne des gros bisous. Et je te dis à bientôt. Bye bye!